Le symbole sur le modèle de ferme indique que c'est Petrochem. Où est-ce que tu vas, Mike? Viens là, petit fripon. Tu vas te blesser. Tony va prendre soin de toi. Les tours illuminées. Elles font la pub de l'album d'Askrax sorti à l'époque. Elles changeaient de couleur toutes les heures. Je crois qu'on a tout vu dans celle-là. Pas sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a appris au juste? On sait qu'Aris vit toujours près d'une vieille école qui est maintenant sous l'eau. On voit les toits de Night City et les tours des Askrax depuis la ferme. Elle doit être à quelques kilomètres. Et on sait aussi que la ferme est située près d'une décharge. Le code d'expédition sur le jeu que Randy a reçu d'Aris mène au Badlands. Les tours de promo pour l'album d'Askrax changent de couleur régulièrement, toutes les heures. On sait donc l'heure. 11h du soir. Ouais, ce qui situe la ferme à l'est de la ville. Au sud-est, exactement. Le tampon sur le certificat du NCFD correspond à la région sud. C'est un modèle de ferme conçu par Petrochem, alors ça élimine les autres. Ce qui réduit les recherches à la ferme Edgewood, c'est forcément là. Alors, on l'a trouvé? J'espère juste que j'ai pas merdé. Bien, il faut y aller. Ça marche. Ça va marcher. T'en as fait plus en 2 jours que le NCPD en plusieurs semaines. Eh, c'est pas très dur en même temps. Mais bon, t'as raison. Merci, V. Merci pour tout. On va le retrouver, River. Ah, si seulement j'avais su plus tôt ce qu'il ressentait, ce qu'il rongeait. C'est pas ta faute. Je suis son oncle, V. Et j'étais pas là pour lui. Tiens bon, Randy. Je t'en prie, tiens bon.
Accroche-toi! River, c'est la bonne ferme. On l'a trouvée. Je sais. Il faut atteindre la grange, vite! Il y a un sacré paquet de caméras. River, c'est la bonne ferme. On l'a trouvée. Je sais. Il faut atteindre la grange, vite! Désactive le système de défense. Ensuite, cours vers la...
impossible d'ouvrir. On doit trouver un autre moyen. River ! Amène-toi, vite ! On a réussi! V, arrête la machine! Autrement, on pourra pas débrancher Randy! Randy! 10-52, je répète, 10-52 dans une ferme au sud de la ville! Ouais, putain! Envoyez une unité! Oui, je vous envoie les coordonnées. Non, plusieurs au moins! Faites vite, bordel! Oh, et faites gaffe aux défenses automatiques sur place, y'en a pas mal! C'est bon, tout est déconnecté! Examine les autres, ils sont peut-être encore en vie. D'accord. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est mort. C'est bon. N'aie pas peur. On est là pour t'aider. T'es un peu déshydraté, mais tu vas t'en tirer. Mais aide-moi avec Randy. Il est vivant. Hé, hey, doucement, doucement. Tout va bien. Hé, hey, t'es sauvé. Mais aide-moi avec Randy. On a réussi, River. Ouais, on a réussi. Mais je peux pas tirer un trait comme ça. Les horreurs que ce salaud a infligées... Je peux pas laisser passer ça. Tu comptes faire quoi? Le liquider? Exactement. Je vais l'étrangler jusqu'à ce qu'il en crève. Faut qu'il meure, ce taré. Non, River. Moi aussi, je veux lui faire la peau à cette grosse merde. J'apprécie ton dévouement, V. Mais là, c'est entre Harry et moi. Je vais le tuer à ma façon, en profitant de toute cette confusion. T'es sûr de pas vouloir de mon aide? Tu vas te faire choper? Non, aucune chance. Je suis... J'étais inspecteur, tu te souviens? Je sais comment couvrir mes traces. Oublie pas. T'as qu'à demander et je viens. Tu peux compter sur moi. J'ai besoin d'être un peu seul, là. Mais je m'en souviendrai. Hé, hey, on est prêts à les évacuer. Vous nous accompagnez? Merci, V. Sincèrement, j'aurais pas réussi sans toi. Y a pas de quoi. Contacte-moi si tu changes d'avis. Ou si t'as juste envie de parler.
pauvre gamin. T'avais déjà vu un truc pareil, toi ? Ça fait 8 ans que je suis dans la police. Mais c'est de loin le truc le plus tordu que j'ai vu. Carrément, j'arrive tout de suite. Putain, V, il est incroyable. C'est ce qui paraît.
qu'on avait un peu plus de temps. Ouais, je sais. T'en feras un putain de vaisseau spatial. On est paré au décollage ? Salut, V. Non, pas encore. Carole doit vérifier si Militech a pas laissé de la glace dans les systèmes. Les corpos se sont pas pointés pour réclamer leur matériel ? Non, je crois qu'on a réussi à les détourner de notre piste. On a laissé les camions avec les gros logos de Militech près du camp des Raffen. C'était presque aussi drôle que de laisser un sac de merde en feu devant leur porte. La vache, on dirait qu'il s'est tapé toutes les guerres des corpos. Il a de la gueule. Tout est en ordre. Les systèmes sont nickel. Avec Saul, ça en est où ? Nulle part, pour l'instant. On évite juste de se croiser, c'est tout. Il a pas prévu de conseil de famille, alors ? Si, évidemment. Il préfère juste continuer à me faire mariner. J'ai toujours eu envie de faire un tour avec un de ces engins. C'est comme ça que tous ces pommards naïfs se sont retrouvés sur le front. Même pas la peine de recruter. Il leur suffisait de présenter la tech. Vas-y, monte! Tout est prêt. Ok, on va le démarrer. Accroche-toi! Merde! Quelqu'un a déjà fait tourner ce truc avant? Et tu dois peut-être... Tout se passe impec. Laisse-moi une minute. Bah voilà! C'est pas le modèle dernier cri, mais Mitch et Bob ont fait ce qu'ils pouvaient. Qu'est-ce que t'en dis? C'est mignon là-dedans. Tu diriges directement depuis ton siège. T'as juste à te connecter. Attends, pas de bouton, levier ou machin qui flash ? Non, rien. Les impulsions rejoignent directement ton cortex cérébral. En un sens, le basilisque devient le prolongement de ton corps. C'est une sorte d'harmonie mystique. Est-ce que t'as déjà piloté un engin pareil ? Non, pourquoi ? T'as pas confiance ? Je peux encore sortir ? Non. Je te fais confiance alors. Si c'est aussi mystique, il est là pour quoi, le copilote ? Soutien moral ? Je te le dirai quand on se sera éloigné du camp. On va s'entraîner. Bon, si tu veux tout contrôler pendant un combat, il faut une deuxième personne pour gérer la surcharge sensorielle. Un pilote dirige, l'autre utilise le canon. C'est assez agréable, tu vas voir. Tu vas le tester à blanc. Je me déco pour l'instant. Y a pas besoin de deux pilotes ? T'auras pas besoin de diriger et de tirer. C'est bon, t'es prêt ? Panam, c'est normal tout ça ? La synchronisation neurale se fait pas en claquant des doigts, mais ce sera pas très long. Voilà, tu vois ? Ok. Je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Échauffe-toi. T'en fais pas, je regarde pas. Essaie de faire quelques virages. Ah, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Maintenant, suis la rangée d'éoliennes. À mon signal, tu vireras à gauche ou à droite avant la dernière. D'accord. Go!
approche. Bon, tant pis. Encore une fois. À droite. Ouais, continue comme ça. À droite. Excellent. On va essayer le tir maintenant. Arrête-toi et j'active le système. Qu'est-ce que t'as prévu? T'emballe pas. Le basilisque a été conçu pour le transport. Mais bon, tu devrais quand même t'éclater. Allez, détruis-moi ces épaves. Sur les pulsions. Ouais. Eh ben, prépare-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis connectée. Nos systèmes nerveux sont reliés. Ah, c'est vrai. Les pilotes de Basilisk bossent en harmonie. C'est pour ça que je ressens tout en double. C'est l'éco-sensoriel. Nos systèmes sont imbriqués. Ça te dirait... d'essayer. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu sens ça? Je sais pas comment les gens arrivent à se concentrer en combat. Ça doit pas toujours être aussi intense. Et si je fais ça? Rentrez au camp. C'est des Raffen. Ils sont tout un groupe prêts à se battre. Regroupez. Il reste 6 ou 6 dans les débarquements en force. Éliminez-les. Ensuite, rappliquez ici et rendez-vous utile. On va aller direct au camp. Il faut défendre la famille. On y est presque. Avant tout à ce qu'il y a de mieux pour la famille.
c'est bon, Saul. Si tu veux que je quitte le clan, t'as qu'à le dire. Au moins, ça m'évitera d'écouter un autre de tes discours. Désolé, mais tu vas devoir rester encore un peu. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas diriger cette famille. À mes côtés. Hein ? Quoi ? Je voulais y mettre les formes, mais bon, comme tu veux. J'avais tort, et t'avais raison. De la vérité. J'espère que ça arrivera plus. J'ai merdé tellement de fois. C'est toi qui l'as dit. Je sais, mais j'ai changé d'avis. T'as risqué ta vie pour cette famille. Sans même savoir si elle t'accueillerait encore après ça. Ok, ok, je... Mais... Il va falloir changer beaucoup de choses. Ouais, et pour commencer, il faut qu'on parte d'ici sans tarder. Faut mieux pas attendre que Militech nous trouve. C'est clair. Je vais préparer un itinéraire. Félicitations. Un choix regrettable. J'ai voté contre. Merci. Ouh, je crois que j'ai besoin de me calmer un peu. Tu viens avec moi ? C'est une journée intéressante. J'ai l'impression d'avoir esquivé de peu un train lancé à pleine vitesse. C'est pas passé loin. Je sais pas si j'y serais arrivé sans toi. Arrête. Non, sérieusement. On a tous une dette envers toi. Tu pourras toujours compter sur les ailes des Kaldos. C'est bon à savoir. Personne derrière le bar. Parfait. Pierre, limonade. Envoie une bière. Aux fins heureuses. Nos petites balades vont me manquer, tu sais. À moi aussi. D'un autre côté, qui a dit que c'était la dernière ? V, regarde autour de toi. Regarde-les. Ça pourrait être ta famille. Panam, qu'est-ce que tu... Reste au camp. Rejoins-nous. Je voudrais bien, Panam. Je te jure. Mm-hmm. Je sens qu'il va y avoir un mais. Mais... je peux pas. Pas maintenant. J'ai des affaires à régler avant. Ok, V. C'est peut-être pas le moment de te demander un truc aussi lourd. Mais je pensais... Oh. Laisse tomber. Je vais y réfléchir. Prends. V. Panam. Je... V, calme-toi. Tout va bien. Comment tu te sens ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
souviens que... qu'on était en... On était en train de parler... Et d'un coup... Tu t'es évanoui. Complètement. On t'a emmené avec nous. Où ça? Dans un nouvel endroit. On a déplacé le camp. T'en fais pas. On craint rien ici. Pour le moment. Oh, V. V. Il faut que tu me dises ce qui se passe. Tu saignais. T'es resté inconscient pendant des heures. Qu'est-ce qui t'arrive? Panam. Ça devient de pire en pire. Chaque jour. Ça va, V. Calme-toi. Vas-y par étapes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si je te dis la vérité, j'ai peur que ce soit plus jamais pareil entre nous. V, écoute-moi. Tu peux me dire n'importe quoi. Ça changera rien à ce que je... Enfin, merde! Arrête tes conneries et dis-moi ce qui se passe! Tu connais... Johnny Silverhand? Ouais, c'est classique, passe à la radio de temps en temps. Pourquoi? Oh, voilà. Johnny est vivant. Il est coincé dans ma tête. Il est quoi? Attends, je comprends pas. C'est une sorte de métaphore, c'est ça? C'est une longue histoire. J'ai décroché un boulot, j'ai merdé. Et maintenant, le construct de personnalité de Silverhand est coincé dans ma tête. Tu te fous de moi? Lui non plus, ça l'enchante pas. La cohabitation se passe pas très bien. Et ça va pas en s'arrangeant. Non, c'est pas une blague. Je fais ce que je peux pour vivre avec. Enfin, pour survivre. En tout cas, c'est clairement pas bon pour ta santé. Je dois y aller. Je me sens mieux. Vraiment. Attends. Je viens avec toi. Semblait bien avoir entendu ta voix. Salut, Mitch. Enfin, on s'inquiétait. J'ai bichonné ta caisse. Elle est là-bas. Mais tu nous quittes pas déjà, hein? Est-ce que tout va bien? Je me sens beaucoup mieux. Merci pour votre aide. Alors, ça me rassure. Je vois que vous êtes déjà bien installé. On commence à avoir l'habitude. C'est un bon emplacement. D'ici, on peut surveiller toute la région. Le reste va se mettre en place rapidement. Et toi, comment ça va? Tu nous as fait peur. Merci. Je vais rester un peu. Fais comme chez toi. Notre offre tient toujours. Pense-y. Si t'as besoin d'aide, tu peux compter sur les Aldecaldos. Au moins, là-dessus, on est d'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où nous trouver. Tu veux que je te raccompagne? Je connais cette région. On y passait avant. Je pense que c'est un endroit sûr. Pour l'instant, ouais. Militech s'aventure pas aussi loin. Et les points d'observation sont bien mieux. Hey ! Bon retour parmi les vivants ! La belle au bois dormant s'est enfin décidée à nous rejoindre. Salut ! Tout ce qu'on a ici, c'est... temporaire. Il va bientôt falloir décider de ce qu'on fera après. Et... à propos de ce qu'on disait... Je vais pas essayer de comprendre. Je crois que j'ai même pas encore percuté. Mais... sérieux, comment je peux t'aider? Franchement, je n'ai aucune idée. Il y a forcément un truc à faire. Quelqu'un qui peut...
souviens d'Hellman? C'est lui qui a créé la tech du construct de personnalité. C'est pour ça que tu voulais lui mettre la main dessus. Mais ça a servi à rien. Je dois décider ce que je vais faire maintenant. Tu vas trouver une solution. Et quand ce sera fait, préviens-moi. Je t'aiderai. Toute la famille t'aidera. Sol plaisantait pas tout à l'heure, t'as compris? Merci pour tout. Merci de ton soutien. Prends soin de toi. Et dis-moi si... Enfin... Donne-moi des nouvelles, quoi.
Jefferson? Bon, j'ai encore besoin de votre aide. C'est personnel. Pas de problème? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, pas Barolo. Passez plutôt le voir. Je vais tout vous expliquer. J'arrive, Jefferson. Vous en faites pas. Parfait, on se voit ici alors. Vous vous souvenez de l'adresse? Bien sûr, j'y serai dans pas longtemps.